Il y a Barbarousse qui a déjà dit confiture. Je fais des super confitures dans ma partie. J'imagine bien. Et je suis hyper pote avec Robus. Pourquoi il se met pas à jour? Il y a quelqu'un qui m'avait follow là, entre temps. Ah, peut-être qu'il m'a unfollow. Parce que j'avais Kiernico qui m'avait follow. Mais je le vois pas là. Je vois que Azertov. Je ne sais pas. On démarre? Yes. Alors, c'est pas du tout le bon bouton que j'ai cliqué. Ouais, d'accord. Mais si, Michel. Non, c'est... Ou alors, peut-être qu'en fait, je peux, du coup... héberger la femme Michel. Mais du coup, moi, faut absolument que... Ou alors, ferme le jeu et tu fais rejoindre dans la liste d'amis. Mais, tu peux m'envoyer le code d'invitation. Je peux te donner le code d'invitation. Salut à tous les amis. Ah, je savais pas que je pouvais faire ça. Alors, on a du pognon. Attends. Non, mais c'est plus simple si je t'invite, je pense. Inviter un ami. Ah, les regarde, amis. Ça m'a proposé. Ah, bah, vas-y. Ça a dû voir que tu jouais. Ouais. Là, c'est vrai que j'ai le thème là. Alors, je sais plus d'où est-ce qu'on en était par contre. On plante des panais. Attends, je regarde où est-ce que ça en est la vie. Et dire que j'ai payé 5 euros pour que. C'est bon, c'est bon. Mais calme. Bah, c'est toi, on verra. Tu vois ça chaque fois que tu marches? Il doit pas considérer que t'as le focus et c'est Windows qui doit faire ça. Essaye de te mettre en plein écran. Fais, va dans les options du coup. Moi faut que j'aille voir le sorcier. Mais oui. Du coup t'as pas un truc genre plein écran, graphisme. Non, faut que tu restes cliqué je pense. Sans bordure c'est mieux. Parce que ça change la résolution d'écran, de la carte graphique si tu mets. Remets fenêtré du coup. Je vais. Sortir en temps. En rose j'allais dire, je vais chez le sorcier. Okay. En plus, j'ai pas mes. C'est où ça en bordure? C'est juste en dessous de plein écran. Fenêtre sans bordure. Et là, du coup, tu peux changer la taille peut-être, non? Mais là, c'est bon. Ouais, c'est bien. Ouais. Bon, du coup, mais j'ai rendu. Et du coup, est-ce qu'il te dit quelque chose? Non, il fait plus hébreu. Parce qu'en fait, plein écran, il prend le contrôle de l'écran et il te met, il le met à la résolution que tu lui as dit. Alors que fenêtre sans bordure, bah en fait, il fait juste une fenêtre mais sans bordure, qui passe par-dessus les autres. Et du coup, ça demande pas de changement dans de ta résolution d'écran et ça évite à Windows de péter un câble parce que tu changes 15 fois la résolution. Je pense que le son du jeu est très fort. Je sais pas si toi on t'entend bien, on n'a pas testé en fait. Est-ce que c'est important? Oui, c'est important qu'on t'entende correctement. Tu peux rapprocher le micro de toi ou c'est compliqué, tu verras plus rien? C'est le max. Et si tu le tires vers toi? Coucou. Mais du coup, tu le repasses un peu à droite? Non. Non, ok, d'accord. Bon, ça c'est pas très passionnant. Hein. Ah oui, parce que toi t'avais pas fait. Bah oui, faut que je fasse le. Incroyable! Bot Magic Fingers, je trouve ça génial. Tu l'as vu? Ouais. Et ça, c'est parce que j'ai payé 5 euros au Icebot. Attends, faut que j'enlève un. Voilà. Parce que sinon, je n'arrive pas à mettre le micro assez loin. Oui, donc il se nomme. Bon, c'est chiant parce qu'en fait c'est vraiment long ce passage et tu peux vraiment pas zapper quoi. C'est hyper rare. Hein?
pas, même si encore la pomme de terre, on en a besoin. Salut les cobayes. Oui, on est en multi. Bon, là, ça se voit pas trop parce que je suis tout seul en train de faire la cinématique du truc là. Salut Namia. Donc, moi, évidemment. Et Kish qui t'a dit bonjour, je sais pas si ça s'entend. Je gère la ferme. Vas-y, redis que tu gères la ferme. Je gère la ferme. Ah, je vais monter ton micro. Vas-y, redis que tu gères la ferme. Je gère la ferme. Ouais, c'est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Dis-le que tu gères toute seule la ferme. Je gère la ferme. Dis-le que je prends le rien pour l'instant et qu'à chaque fois, à la fin de la journée, j'ai toute mon énergie alors que toi, pas du tout. Parce que j'ai géré la Ça dure toute la journée, cette putain de cinématique. Là, ça veut dire qu'en fait, ça fait 6h que j'y suis. Si on se lève à 6h et qu'il est 12h40 sur ton écran. Ouais, bah écoute, au bout d'un moment, tu fais des cachotteries avec le magicien, tu fais des cachotteries... Putain, ça recommence à laguer du cul. Allez, là. Surtout pour voir des trucs mystiques, là. Avec des arbres. Avec des arbrisseaux. Très bel écran. Moi, j'aime beaucoup cet effet. Je me demande si je vais pas le mettre en fond d'écran de mon téléphone. Juste les arbres qui... Non. Non. D'accord. Bah, moi, j'aimais bien. Ça y est, je suis parti. 13h40. Incroyable. Je vais pouvoir enfin aller donner des bouts de bois aux connards de la forêt. Non, c'est pas des connards. Mais alors, du coup, je sais pas du tout où est mon seau et tout. Ouais, parce que tu les as mis à la mine. Ah, ils sont toujours à la mine? Bah, où tu veux les avoir mis? Il me semblait les avoir récupérés. Peut-être que je ne suis qu'un sac à merde. Bah, du coup, je vais aller les récupérer à la mine. Bah, je propose d'aller miner. Je vais faire ça pour vous. T'as oublié un panier. Ah oui, je pouvais plus le prendre. Je le vends ? Oui. Moi aussi, je voulais le prendre en fait. Je le vends. Je vais aller à la mine du coup récupérer des minerais, déjà. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à un moment, on essaie de passer dans le community center, voir si c'est commun en fait. Parce que j'ai déjà commencé à remplacer, à faire dans le truc de poisson. Ouais, je comptais y passer après. Ouais, mais après, pourquoi pas. Mais du coup, j'ai aucune idée de savoir si c'est commun ou pas. Quoi. Je pense. Ça serait étrange parce que c'est un truc qui est en rapport avec tout le village, donc si c'est pas commun, c'est chelou. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas récupéré la récompense. Je récupère pas les récompenses depuis le début. Ah, moi non plus, je crois. Initiation. Non, ça je l'ai pas fait. Faudrait que je le fasse. Ça je l'ai pas fait. Du coup, on perd de l'argent. Il fallait un réfort ou pas? Parce que j'en ai un. Je le mange pas? C'est quoi? Le. Oui, il est en foin. Ouais. Ouais, donc effectivement, mes affaires sont... Bah non, elles sont pas là. Elles doivent être à la maison. Hein. Mmh. Ou alors j'ai perdu toutes mes affaires parce que le jeu... Ou tu tapes le chat. Ou je me tape le chat. Je me tape le chat. Attends, faut que je me mette... Voilà. C'est beaucoup plus proche quand même, sinon je vais pas m'en sortir. Mais viens là. Non, faut savoir que c'est 17h et vers 17h en fait dans la ville tout le monde va au bar. Donc s'il faut croiser les personnages, il faut tous aller. Tu sais que j'y suis jamais allé dans le bar. J'ai dû y rentrer une fois mais après j'y suis pas retourné quoi. Je sais très bien que je vais être la caution sociale. Est-ce que tu penses qu'on peut baisser le son de ton ordi? Ça je le trouve très fort. Je trouve que même moi il me déconcentre. Ouais, mais je sais pas comment faire. Alors faudrait que tu fasses commande F. Waouh, trop compliqué. Et ensuite que tu ailles scroller sur le truc du son. Non, là tu l'as coupé. Faut scroller. Là ça te va ? Ouais. Et avec tu fermes ça, ça ouvre un truc commande F dans Windows.
Attends, je me gratte le nez. Plein de blobs. Qui ressemblent beaucoup trop aux animaux de la forêt. Aux esprits de la forêt. Je trouve qu'ils ressemblent à des blobs, les esprits de la forêt. Donc du coup, au début, j'ai cru que c'était les mêmes. Non. Ils se ressemblent quand même beaucoup. C'est un peu tous les mêmes. Non. C'est raciste, tu dis. Non, c'est pas raciste. J'ai juste que c'est tous les mêmes. C'est pas raciste. Ah non, mais j'ai vraiment pas de place en fait. C'est spéciste. La viande d'insecte, on peut la jeter? En fait, ça sert à faire des baits pour les. Pour la canne à pêche. Jeter le caillou, là. Mais ouais, mais on a besoin du caillou au début. Non, l'argile, on s'en fout, c'est ça? Non. Ah, on s'en fout pas de l'argile, c'est important. Pas de l'argile. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux faire des constructions. Les slimes, on s'en fout. Pour l'instant, les slimes, on s'en fout. Ok. On en aura besoin plus tard, certainement, mais. C'est ça, du coup, c'est quoi? Non, c'est ça. Il va être pécho, les oignons, là. Ah, mais l'améthyste, on s'en fout pas aussi. Bah, ça vaut de la thune à revendre, quoi. De qu'est-ce qu'on s'en fout le plus, là? Caillou. Le caillou, on en retrouvera. Ouais, on en retrouvera plus facilement. Sachant qu'en plus, on n'a pas nettoyé notre ferme, donc on aura déjà plein dedans. Tandis que le copper ou l'améthyste, ça va faire des. Des trucs facile. Je sais pas, je crois qu'on a en termes de craft. On a pas grand chose. Si, regarde, on peut faire la fournaise avec 20 minerais de cuivre et 25 pierres en fait. Donc c'est en fait. T'en as des pierres toi? Non, mais je vais. On en a peut-être dans les coffres. Hein. Ouais, mais je vais nettoyer le un peu le. C'est possible que la dernière fois j'en ai pris dans les coffres. En fait, je sais pas où. Parce que du coup, dès qu'on commence à avoir ça, on peut après faire les barres de minerais. Et du coup, enfin déclencher pas mal de trucs en construction. Du coup, en fait, je ramène le max de cuivre, c'est ça? Ouais. Parce qu'après, du coup, ça nous permet de faire d'évoluer les outils. Donc, du coup, gagner en efficacité sans perdre de l'énergie. Pas comme moi là, qui est en train de crever. Connement, mais du coup. Quel étage je suis là? 7? Bon, je vais remonter. Ça sert à rien. J'aurai pas le temps de descendre au 10. Surtout que je voulais passer au community center. Ouais. Et que de toute façon, j'ai tout qui est. J'ai encore les poches pleines, quoi. Ça monte beaucoup trop. Enfin, t'as vraiment pas de place, en fait, quand t'es. Ouais, au tout début, et puis il coûte cher le. Ouais, c'est 10 000, non? Un truc comme ça. Ouais. Du coup, je vais passer au community center. Comment tu vas, Damien? L'argile, les pierres. Je vais quand même stocker les oignons nouveaux. Si, il y a encore là. Alors, je vais te dire si c'est. Ah, mais il y a déjà les poissons. Moi, j'ai déjà mis des poissons, ouais. Même dans les. Je me disais qu'on t'entendait bien et Damien te dit comment. Comment? Elle te demandait comment tu allais. Quel était ton niveau d'allage. Sache que t'as pas pris la récompense apparemment. Non. Mais j'ai pas de place. Regarde. Celle-là, tu l'as fini, le premier? Ah oui. Bah, du coup, ça veut dire que c'est commun. Ouais, ouais. Je viens de mettre ça. Ça, c'est cueillette d'été, on s'en fout. Tu veux venir ranger chez nous aussi, c'est avec plaisir. Cueillette d'hiver. Ah, mais du coup, t'as déjà fait la cueillette de mes couilles. Ouais. Et là-haut, j'ai déjà rempli les trucs. Il me reste plus qu'un seul poisson dans ma partie. Je suis trop fier. Félicitations. Tu vois, regarde, c'est pour ça que je te disais prendre des haricots et du chou-fleur, parce que moi, j'ai raté les chou-fleurs. Normalement, je les ai mis. Ouais, mais il y a des astuces plus tard. C'est que des fois, t'as des vendeurs ambulants qui peuvent t'en vendre. Des trucs hors saison ou autre. Alors sache que, contrairement à quand tu joues tout seul, ça arrête pas le temps quand t'es dans ces menus-là. Quand tu joues tout seul, ça arrête le temps, il me semble. Oui. Mais là, rien qui arrête le temps. C'est pour ça que c'est un peu déjà vu, j'ai l'impression. Alors que, enfin, moi, quand je joue sur Switch. Je te mets sur pause, tu réfléchis. Ouais. Là, on peut pas réfléchir. Du coup, maintenant que je suis dans le Discord de Girls Gaming. Il y a des gens qui m'ont ajouté sur la Switch et je pense qu'on va faire des Stardew Valley aussi en commun.
sur Switch. Du coup, faut jouer en même temps sur la Switch, non? Ouais, je pense. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas si c'est quelqu'un qui host la ferme ou pas. Bah, en théorie. Vous voulez aller dormir? Oui. Voulez-vous aller dormir? Donc, je fais une fournaise? Niveau 2! Enfin! Ouais, sachant que t'as des crafts supplémentaires dans le coffre que j'ai mis. Des crafts? Bah, on a besoin de pierres et tout, etc. Donc, regarde déjà dans le coffre les ressources. Donc, du coup, le réfort, j'imagine qu'en fait, on en avait pas besoin. Ah, c'est marrant que tu me vois pas alors que moi je suis totalement sur le. Ah, c'est marmi. Comment on appelle le chien? Pas 11. Qu'à 11. Je sais pas, t'avais fait une qu'à 10 dans ta partie. Je crois, ouais. Et du coup, enfin, y'a rien, il se passe rien. Ah non, faut que je reclique à chaque fois. Voulez-vous adopter ce chien? En un seul mot. Comment on l'appelle? Moi je l'appelais ça quand même. Dans la partie. Donc comme tu veux. Ok. Moi je dis Cadiz. Comme. Comme tu veux. Tu veux. On aurait pu faire la blague de. Tu l'appelles à tarte aussi. Ouais. Incroyable, n'est-ce pas? Comment vas-tu? Je t'ai envoyé tes cookies préférés. Que tu ne peux pas prendre car tu n'as pas de place, comme d'habitude. Ok. Je t'ai envoyé tes cookies. Ok. l'améthyste, il faut la donner au musée? Non, on l'a déjà donnée. Tu peux regarder. En fait, si tu peux, c'est que ça te met. Après, bon là, ça, vu que l'objectif c'est d'avoir de la thune, autant vendre. Mais après, c'est bien de garder un de tout, en fait. Ouais. Au moins un de tout, parce qu'en fait, il y a des fois, tu peux avoir des quêtes avec des personnages ou autre. Et en fait, là, je suis passé dans. Vu que je suis dans une partie du jeu où je m'intéresse vachement plus à l'aspect social de la ville qu'à l'aspect ferme, des fois ça me débloque des situations et des cutscenes avec des personnages en fait parce que j'ai atteint un niveau d'amitié, alors reprendre des trucs préférés et tout, etc. Bah sache que j'ai perdu les cookies. Parce qu'apparemment il fallait que j'ai les poches vides. Super, moi qui vais la donner. Je les ai pas, ils sont nulle part, je peux pas retourner prendre le courrier. Donc niquer les cookies quoi. Si tu les prends pas tout de suite, ils sont morts. Un même cookie à maison. Je suis sûr que c'est le chien qui les a bouffés. Je suis déçu. Moi, c'est le chien qui s'est bouffé les cookies et tout va bien. Et donc, comme en fait, et donc du coup, tu viens toujours pas m'aider à faire la ferme. Je vais process la géode. Ah, une... Et ensuite, je construis une fournaise. Putain, on se voit qui fait tout dans ce putain de truc. Moi, et qui c'est qui fouille les poubelles, hein? Pas moi. Clairement pas moi. Je suis obligé de le faire à ta place. Je fais n'importe quoi. Ça doit être super pratique les wagons quand même. C'est trop bien. Et les wagons plus Pity Clop. C'est de la police. Ah mais regarde, moi je vais peut-être les avoir les cookies. Je t'aime, papa. 500 boules. Quiche, est-ce que tu te fais bien à ta nouvelle vie? Je ne m'habitue pas encore à l'idée que tu es une adulte maintenant. Le temps passe vite. Maintenant que tu n'es plus là, j'ai de l'argent en trop. Parce que vraiment tu me prenais tout ce que j'avais. Alors je te rends un petit cadeau. 500, bim, allez. 500 balles! 500 boules. Bon, du coup, je continue de fouiller les poubelles et je fais mon maximum pour perdre du temps et pas venir t'aider. Oh chien. Est-ce que tu penses qu'il va me voir? Ouais, il m'a pas vu. J'arrive. Faut que je retrouve mon arrosoir, je l'ai perdu. Mais genre vraiment perdu, quoi. J'ai aucune idée d'où est-ce qu'il est. C'était excuse, quoi. Pas trop mieux quoi. Mais comment Ah, il y a quelqu'un qui t'a surpris en train de fouiller les poubelles. Mais il était de dos et en train de partir de l'écran. Comment il peut me voir? Comment moi je fais après pour être le social de la coop si toi tu me mets à fouiller les poubelles et tu te fais surprendre quoi? Je peux pas rattraper.
Non, ça te fait de la négativité dans l'amitié. Est-ce que c'est pas chacun son amitié, du coup? Je sais pas. On peut voir. Hein. Parce que du coup, on a zéro cœur pour l'instant. C'est sûr que si on leur fait pas de cadeaux... Voilà, c'est fait. Bonjour. Alors, attends, je vais vérifier où est-ce que j'aurais pas rangé mes outils, ici. Si, il est là, mon arrosoir. Et ma canne à pêche. Et un caillou. Et un journal détrempé. C'est de la camelote. Tu fais la fournaise, du coup? Tu t'en occupes? Oui, je ne peux pas, car le chien m'empêche de sortir de la maison. Sauf sac à merde. Tu vois que tu en aurais dû l'appeler sac à merde. Attends, du coup, je déplace la plante. Peut-être que du coup, il va bouger. Ah, ça y est, il a bougé. Et du coup, j'ai pu sortir. Parce que de mémoire, dès qu'on a ça de fait, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller avec Robin construire un silo. Je la mets là? La fournaise? Ouais. Dehors. Ouais. Et en fait, le silo, je crois que pour le construire, il nous faut du cuivre, de l'argile et des pierres. On est déjà de bord. On a dû tomber sur une bonne journée. Minerai, pierre. Je ne vous jette pas la pierre, quoi. Mort de droite. Fournaise. Ah, mais là! Et dedans, je cuis du copper. T'as pas de charbon? Bah non, j'en ai laissé un par terre parce que j'avais plus de place dans la mine. Je sais pas si on en a, du coup. Parce qu'il me semble qu'on va en avoir besoin de... Non, on en a pas. Putain, c'est con, j'aurais dû prendre. Est-ce que tu veux que j'aille à la mine ou tu veux que je t'aide à la ferme? C'est fini la ferme, à la mine. Bon bah, je vais à la mine. Dis pas ça comme si je te l'ai imposé un truc. Si, tu m'as imposé d'aller à la mine. Du coup, je prends vraiment que le nécessaire, comme ça j'arrête d'avoir les poches pleines tout le temps. Moi, je pêche que de la merde. Ah tiens. De l'argile. C'est pas du tout par là, la mine, en plus. Chaque fois, je vais par là, à chaque fois, je me fais engueuler. Faudra qu'on se mette un coffre dehors aussi, c'est chiant pour rentrer. Je sais que c'est moi qui l'ai mis là. Je juge pas. Ça mord. Oh putain, j'ai plus l'habitude avec une barre si petite. Et puis toi, en plus, avec le shadow, s'il y a le moindre lag, c'est un peu l'enfer, quoi. Chevenne. C'est pas un homme politique, ça? Ouais. Oh putain, je vais... C'est un poisson. Jean-Michel Somme. Jean-Pierre Somme. Oh, Somme. C'est la merde. Incroyable. Incroyable. En partant à 16h, ou alors je rush directement le... Rushby. Quoi? Je comprends pas. C'est dans Counter-Strike. C'est quoi, B? Bah, le point B. Ok. Je sais pas, j'ai jamais joué à Counter-Strike. J'avais pas internet. Et je faisais pas d'amis, parce que j'avais pas d'amis. Donc j'avais ni internet ni amis, j'avais juste la documentation de PHP. PHP 2, évidemment. Ça m'amuse comme on peut. Moi, ça m'amusait. Mm-hmm. Ah, on peut leur donner des coups de pioche, à eux. Oui. Un truc volant. Mais c'est moins efficace. Si t'étais pas une fille, je t'aurais proposé de jouer au ballon avec toi. En colère, qu'est-ce que t'es censé avoir à dire? Ah non mais oui, du coup je me fous de sa gueule. Sexiste. Non mais oui. Trop de balles. Il m'a pas vu jouer. Mais... Ah mais je sais que t'as pas le temps, Shane. J'ai pas le temps. Mon radis. Ton radis glisseur. Je cherche quelqu'un pour m'apporter 20 unités de minerais de cuivre, force et des pierres précieuses à l'intérieur. Clint, est-ce qu'on en avait un nom? Pas vraiment. Ah mais Robin va être fermé là. Du coup il faudra qu'on remette des sessions séparées sur... Enfin qu'on fasse session à part sur l'ordi. Et que je te mette
Que je te montre OBS et les trucs comme ça. Et comment streamer la Switch. Et tu feras des lives Stardew Valley. Ou je pourrais faire de la confiture. Oui. Il est pas là-bas, bon. Mais il serait très heureux d'entendre ça. ouais, et du coup, ce serait cool. Moi, je serais très heureux de regarder enfin quelqu'un d'intéressant. Lies. Alors, j'ai un problème. J'ai plus d'énergie. Bah, rentre. C'est tentant quand même. Hein. Je suis quel étage là? 8? Non, ça sert à rien. Quitter la mine. C'est dommage, j'ai rien à manger quoi. Mais j'ai du charbon. Moi je vais donner de l'eau au chien. On peut faire ça? Oui. T'as jamais donné de l'eau à ton chien? Jamais. Jamais. Putain, si Cowboy était en train de regarder le live attentivement, il m'aurait engueulé parce que je prends le mauvais chemin alors que j'ai pas beaucoup de temps. Et non, il était occupé à faire son ménage. Il y a Clint, il veut 20 cuivres. Ouais, je te l'ai dit, mais en fait... Ah, pardon, je sais pas. Pour moi, c'est plus tard qu'il faut faire ça. Je l'ai quand même accepté pour la pour pas la faire. Et qu'il soit triste. Et qu'il nous déteste. Qu'est-ce que tu veux, Kenai? Il veut ramener la coupe à la maison. J'aurais aimé qu'on s'occupe et on ne s'occupe pas. Est-ce que je vends la métiste ou je la garde? Bon, garde-la pour l'instant. Demain, de toute façon, il faut racheter des graines à mon avis. Ça, je vais garder. Parce que j'ai... Ça, je vais le cuire tout à l'heure. Ah ben en fait, j'ai encore le temps de mettre la cuisson ici, comme ça sera prêt demain matin. Ouais, ça prend demi-heure le cuivre. Ça ne marche pas. Oui, parce que t'as un truc sélectionné. Oui, ce jeu est nul à ce niveau-là. Il y a une fée qui vient chez nous. Hein. Ah, je l'ai jamais eu moi dans ma partie. Ouais. C'est un événement rare. Et c'est quoi? En fait, elle va faire pousser jusqu'à maturité. Toutes les plantes? Une plante. Et du coup, sur un panier, un peu, t'en as rien à foutre. Mais si un jour elle fait ça, genre par exemple sur un truc qui met 20 jours à pousser, c'est génial. Mais c'est la première fois que je le vois. C'est classe. Waouh, j'ai niveau 3 d'agriculture. Moi, j'ai eu extraction minière. Je peux payer les ruches. On se demande pourquoi tu fais. Toi, t'as la mine et moi le truc. Kenai, tu ne me lèches pas le coude. Pardon, tu m'as dit quoi? On se demande pourquoi t'as la mine et moi l'agriculture. Bah du coup, je continue quand même à m'occuper des récoltes. Je vais aller aussi ajouter des trucs au centre communautaire parce que là j'ai les choux-fleurs. Et acheter de nouvelles graines à pierre parce que... Dans les foules, là. Mais... Pourquoi j'ai mon journal qui a été mis à jour? Atteignez niveau 40 des minerais. Ça. Ah, mais alors, du coup, moi, j'aurais jamais le truc de progression parce que j'ai pas fabriqué d'épouvantail. Il va falloir que je fabrique un autre épouvantail. Donc, quand t'auras un épouvantail à fabriquer, je veux bien le faire. Du coup, oui. Je peux pas l'ouvrir. Je sais pas pourquoi. Bah tu peux faire un épouvantail là si tu veux, parce que je pense que celui qu'on a mis couvre pas toute la zone. Est-ce que la hache de l'autre est toujours au même endroit? Oui. Qu'est-ce qu'il faut? Bois, charbon, fibre. Ouais mais ça coûte cher. J'ai plus de charbon de toute façon. On a un panier doré, je le mets là. Ok. C'est le seul que j'ai pris. Oui, je pouvais pas le prendre parce que du coup mon inventaire était plein. Les coudes de cet homme sont terriblement bas. Mais non, mais il se met debout le chien pour voler le... C'est parce qu'il a oublié un i. Il
se met debout le chien pour me lécher les coudes. Les coudes. Hein. Les coudes. De. Je vais à la mer. Allez, ciao. J'ai encore épuisé à tout arroser seul. Je me suis épuisé à la vie, moi, hier. Ouais. Qui c'est qui ramasse des fleurs pendant ce temps? C'est pas toi? Non. Et bah voilà, moi je ramasse des fleurs. Quelqu'un qui va probablement sortir au moment où je fouille dans des poubelles. Tu veux pas aller voir si tu veux acheter un sac à dos, parce que je crois que le premier est à 2000. C'est vrai? Je crois que le premier est à 2000 et puis après le deuxième à 10 000. Je vais aller voir sur le retour. Il me semblait que le premier c'était 2000, 5000, non 10 000. C'était pas 10 000, 20 000, 30 000? Non, il y en a que deux de toute façon. Ah bon? C'était pas 10 000, 20 000? Non, moi j'aurais dit 2000, 10 000. Ou 5000, 10 000 peut-être. Je me rappelle l'avoir fait assez tôt dans le jeu la dernière fois, donc... Je sais pas. Oh! Célestine, je connais pas. On ramène au musée ou... Oui, j'ai perdu ma hache préférée. Parce que si on tombe sur un truc qui est hyper rare et hyper chiant à voir, autant le garder et donner autre chose au musée, maintenant qu'on sait que c'est un nombre et pas... Tu me dises parce que je lui donne. Donne-lui, ouais. En fait, s'il y a un truc que tu devrais garder quand tu l'as, c'est une pierre qui est arc-en-ciel. Parce qu'apparemment, moi j'ai pas encore compris encore trop à quoi elle servait. Mais. Ah, mais d'accord, mais c'est hyper bien fait ce musée en fait. Tu peux pas aller regarder les trucs qui sont de l'autre côté. Voilà, je ne saurais jamais du coup ce que c'était. Qu'est-ce qu'elle fait la pierre arc-en-ciel? Bah, je sais pas, mais apparemment il y a un événement qui est lié à ça plus tard. Donc pour l'instant, j'en ai donné une, mais j'ai quand même stocké. Ah, mais il y a une poubelle aussi là. Ah non, j'ai déjà fait. J'aime beaucoup. Ah, on a presque la musique synchro. Tu n'entends pas la mienne, mais on a presque sympa. Super. J'arrive pas, dans ce jeu, à cliquer sur la note. Sac à dos, 24 emplacements, 2000 PO. Est-ce que moi je l'achète, hein? Et on voit si ça nous fait pour tous les deux, ou... Ah, mais j'allais le faire. Bah, vas-y. De toute façon, sinon on a le budget pour deux. Hein. Ouais, mais... Ça l'a fait pour toi, moi je l'ai pas. Ok. Bon, du coup, achète-le. Et donc c'est l'autre est sûr à 10 000. Ah ouais, non, c'est abusé. Les prix sont abusés. Est-ce que je retourne miner? Moi j'en profite pour poser au community center les crops de printemps. Comme quoi ça se vend bien les confitures. On les a pas encore les confitures. Mais toi tu vas pas tarder à les avoir je pense. Parce que comme tu montes à fond en machin, en agriculture? Ben en fait ça dépend plus du niveau de craft, des recettes de craft qu'on va me demander de faire. Ouais mais ça les recettes de craft tu les débloques avec les niveaux. Ouais c'est vrai. Mais parce que moi là dans le jeu typiquement je garde vraiment toutes les cultures que je fais et j'en fais enfin il n'y a pas que des confitures, il y a des pickles aussi, fais des... Genre par exemple je viens de faire une super fournée d'ail confit. Level 6 en farming apparemment pour avoir les confitures. Ah yes, j'en suis à la moitié. De l'ail confit? Ouais, en fait tous les... Là vu que je suis dans ma partie, je suis à l'hiver. J'ai gardé vraiment toutes mes récoltes et tous les légumes, tous les fruits, je les mets soit dans des pots pour faire des confitures, soit des... Si tu peux, dans des barils pour faire en fait des jus.
Des jus, de la bière, du vin. Je rush en bas. Barbarousse nous dit fruits égale confiture. Légumes égale pickles. Ouais. Égale pickles. Tu peux pas faire l'inverse, ça marche pas. C'est-à-dire? Bah, tu peux pas mettre un légume dans un truc de confiture. Si, si, en fait, c'est le même, c'est le même baril qui te, qui te permet de le faire, sauf que c'est sûr que quand tu fais. Ah, mais je croyais qu'il était mort, il était dans le noir en fait. Et en fait, là en ce moment, donc là. J'essaie de privilégier parce que j'ai accès maintenant aux Ancient Seed et aux Starfruit. Et j'ai la cave dans la maison, donc du coup, là j'essaie de faire une fournée de. De vin, de starfruit, donc j'espère que ça me rapportait un max, mais c'est quand même méga long. Et j'ai débloqué le greenhouse. De vin vieilli, il te dit. De vin vieilli, ouais. Et, et là, je commence à faire à remplir ma serre avec les ancient fruit. Sache que j'ai enfin récupéré une carotte à nouveau. Parce que je sais pas ce qu'on a fait de l'autre. Ça se trouve, elle était là et je l'ai pas vue. Et du coup, je pourrais la rajouter dans le community. Cool. C'est ça que je voulais faire. Aller chercher les poissons qu'on avait trouvés et les mettre dans le community. Des arbres fruitiers. Tu peux mettre des arbres dans la serre autour. J'ai appris ça la semaine dernière. Oui, moi je l'avais vu, ouais. Je l'ai vu et en fait j'ai même trouvé quelqu'un sur je crois le subreddit Stardew Valley qui montrait en gros le placement le plus optimal pour mettre le max d'arbres. En plus des ancient fruit dans le milieu. Ouais. Parce qu'en fait c'est quoi, c'est juste de la terre ou En fait t'as un carré de terre que et tu dois. Autour tu peux mettre. Et autour tu peux mettre les arbres. Et ce qui est pas évident au début parce que t'as l'impression que c'est des. C'est du béton. C'est du béton, mais en fait tu t'as même pas besoin de creuser ou autre pour le mettre. Ah, tu mets direct ta plante quoi. Mais c'est pratique parce que. Enfin la première année je m'étais complètement planté sur les arbres fruitiers parce que. Un arbre fruitier ça coûte quand même 2000 minimum et je crois. Ouais. Et enfin au début c'est clairement pas ta priorité le premier printemps de faire des arbres quoi. Ouais c'est clair. Et du coup est-ce que c'est rentable quoi? Bah c'est rentable parce que, déjà t'en as besoin dans le bundle parce que ça te fait des fruits et que tu vois typiquement on parlait de faire des confitures, il te faut des fruits pour faire des confitures. Donc, Oui, logique. Et ça demande par contre zéro entretien. T'as besoin de les arroser tous les jours. Et quand c'est la saison, entre guillemets, de. J'arriverai pas. J'ai pas assez d'énergie pour descendre, ça me saoule. Faut que je prenne des trucs à manger la prochaine fois. J'ai toujours rien à manger. Bah je peux manger la carotte. Bah mange-la. Bah oui mais ça me fait chier, je voulais la donner dans le community bundle. Mais on en trouvera plein ça après, c'est pas important. Ce qui est important c'est plus de récupérer tout le cuivre là que t'as autour. Ouais je vais le faire. Ça doit être agréable avec une pioche augmentée de pas donner 15 000 coups juste pour... Ouais. Tu peux avoir des fruits via la caverne, le souci c'est que tu choisis les fruits ou les champignons, tu peux faire de potions de soin. Et ouais, moi j'ai fait les champignons, mais je t'avouerai un peu par hasard, parce que j'ai choisi... Enfin, quand c'est Démétrius, je crois, qui te pose la question, quand Démétrius te pose la question, je fais bon, champignons. Bah moi j'avais vu une vidéo où un mec disait, j'ai choisi les fruits, en fait c'est de la grosse merde, il faut mieux prendre les champignons, c'est plus rentable. Ok, bah en fait, et le truc c'est que moi je pense aller les voir une fois sur deux, donc c'est même pas une question de rentabilité. En fait là je commence à être... En plus, à un moment où quand tu commences le jeu, t'as pas assez d'énergie pour faire tout ce que t'as envie de faire. Là, j'ai plus assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire dans une journée. Mais je commence à être optimisé parce que je commence à avoir du coup des arroseurs Iridium qui permettent d'arroser du coup automatiquement tous les matins. Ah oui, bah c'est ce qu'il disait. Excuse-moi, c'est juste que je relisais ce que disait Barbarousse. Et Barbarousse disait en fait, si tu choisis les fruits au lieu des champignons, du coup, t'as pas les potions de soins. Donc, c'est plus intéressant de prendre les champignons. Ouais.
Et donc du coup, t'as les arroseurs Iridium. Qui te permettent d'arroser vraiment une grosse partie automatiquement tous les matins. Donc en fait, maintenant, dans ma serre, par exemple, j'y vais que pour regarder si quelque chose a poussé. Sinon, je sors direct. Donc j'ai pas à me taper tout l'arrosage. Alors qu'au début, les selles arrosent... Comment dirais-je, sprinkler ? Bah, les arroseurs. Les arroseurs automatiques qu'on a. Ça a vraiment fait une zone ridicule de 4x4, quoi. Ouais. Je suis emmerdé, bah, parce que j'arrive pas... J'ai pas de sortie. J'ai pas de sortie, je vais finir par vraiment... J'ai mangé la carotte, déjà. Bah, repart à l'échelle. Oui, non, mais bien sûr. Mais sauf que on arrivera jamais au niveau 10 si ça continue comme ça, quoi. C'est ça que je voulais dire. Ah, soit t'as la turbo chatte là... C'est possible. Le combat pas. Ça me prend de l'énergie? Non, l'épée ça te prend pas d'énergie. Non mais c'est pas ça, c'est que t'as besoin de temps. Donc cherche plutôt la sortie ou autre. J'avais pas vu l'heure en fait. Je regarde si elle est pas déjà ouverte. J'ai pas l'impression. Ouais. Mais après, ça peut être dans les combattants, eux, hein, que t'as... Oui, c'est sûr. Sorti, aussi. Mais du coup, je vais les combattre. Parce que s'ils m'ouvrent la sortie, comme ça, j'ai pas d'énergie à dépenser. En fait, je crois que t'as plus de chance, en fait. D'en avoir par... Ouais, les esprits, ouais. Là, en ce moment, en plus, vu que dans mon autre partie, je suis en train de... de me faire la Skull Cave. Je la regarde vraiment tous les matins à la télé parce qu'en fait tu peux pas. Enfin, je me rends compte que vu le niveau de la Skull Cave quand tu commences à descendre, tu peux pas y aller alors que la journée est mauvaise quoi, niveau chance. Je tombe dans les pommes. Je pense pas avoir le temps de rentrer là. Ah mais en fait j'ai zappé, mais c'est vrai qu'on avait dit qu'on essaierait la prochaine fois de mettre ton écran aussi. On le fera plus tard. Moi j'y crois. C'est chaud quand même. Hein. Ouais, le chariot de la mine, quand tu l'as, ça te change la partie. Ah. Ça te change la partie. Et là, aujourd'hui, je viens de me faire l'écurie pour avoir un cheval. Mais les deux ensemble, c'est ça change tout. Je ne suis pas mort. Et j'ai ramené au taquet de trucs. Ah mais du coup ça te donne des niveaux en extraction minière? Non, c'est parce que j'ai tapé plein de pierres. Ah d'accord. Allumer la cheminée, on n'y voit rien. Ah, ramener la coupe à la maison. Bourrer les torches partout. Ouais. Ouais mais vu que ça a pas d'aspect autre que... esthétique entre guillemets, genre juste on y voit mieux. C'est pas ma priorité quoi. Demain c'est la fête des œufs. On n'a pas d'œufs. C'est la fête des œufs. Ah oui, une fois. Les esprits sont très heureux aujourd'hui. Du coup, j'arrose et après je vais à la mine avec toi. Je fais du cuivre encore. Ouais, t'as raison. Et du coup, je suis toujours pas allé à la mer. Pourquoi tu voulais aller à la mer ? Bah pour récupérer des trucs, c'est toujours utile. Ouais. Nécessite 5 minerais, effectivement. Si je me trompe de clic, ça ne marche pas. Attention à multi, les esprits changent par joueur. Ah, ben alors moi je les regarde. Esprits sont favorables, je savais pas ça. Elles sont très favorables pour toi? Ouais, ils sont très très heureux. Les esprits sont très heureux aujourd'hui, ils feront une chance à tout le monde. Et en fait ce que je me suis rendu compte c'est que là j'ai changé ma télé dans et ma c'est partie. C'est pas les mêmes esprits. Et avec une plus grande télé en fait t'arrives à voir en fait une petite image d'animation en fait quand tu regardes une émission. Et du coup, tu peux le voir rien qu'en regardant l'image. Parce que typiquement, s'ils sont très heureux, il me semble que t'as une star drop violette. Alors que s'ils sont pas contents, t'as une espèce de gros... de chauve-souris en plein milieu de l'écran. Il y a Barbarous qui dit quitte être relou jusqu'au bout, pourquoi pas un coffre dehors. Ah mais c'est lui qui pose le coffre. Alors pourquoi? Parce qu'en fait je l'ai mis à l'endroit exact où elle l'avait mis dans ma partie quand elle l'a construit. Mon premier coffre dans ma partie c'est elle qui l'a construit. Et donc du coup, moi j'ai fait comme on m'a appris.
Le mieux, c'est de tu fais des coffres dehors et de couleur selon ce que tu mets dedans. Ouais. Genre, je fais des coffres verts quand je mets des plantes ou des graines. J'ai un coffre doré, c'est celui où je stocke tout ce qui peut être des récoltes niveau or ou iridium. Il y a vraiment que de la merde dans les poubelles. Hein. C'est qu'une fois j'ai quand même trouvé une gold bar dans une poubelle. Coffre noir, c'est la mine. Ouais. Le caca des canards, c'est canard. C'est caca. Le caca des canards, c'est caca. Non, les canards, ils font pas caca. C'est ça le qui est pratique. Quand on aura des canards, on leur fera des bisous. Ah, j'ai trouvé un Earth Crystal. Mais... Oh, c'est nouveau, ça. Jamborite. On le donne ou... Oui. On s'en fout, c'est pas hyper important. Donne tout. Donne tout ce que t'as. C'est pas la peine pour le Earth Crystal. On l'a déjà donné. Bah, garde-le, parce que... Y a une on en a besoin, ouais, pour je sais plus quoi, un sprinkler, non? Non, je sais plus. Je vais vite fait à la plage. Attends, c'était où? Oui, non, c'est là. Et je dépose tout à la maison et je vais à la mine avec toi. Bonjour Quiche, demain nous organisons le festival des œufs sur la place du village. Vous devriez venir entre 9 et 14 heures si vous souhaitez y assister. Vous ne voudriez pas manquer la chasse aux œufs annuelle. Mère Lewis. Et du coup, à deux, est-ce que on va avoir un compteur deux et on les trouve tous ensemble? Je sais pas. Jean-Michel arrive pas à taper. C'est en train de craquer sur le chat. Ah, mais qui craque, c'est ça qui m'a. Non, c'est pas des pattes de canard, c'est des plumes. Il n'y a que l'autre qui peut lancer l'événement. Ok, c'est bon à savoir. Je crois que c'est le premier event qu'on va faire en coiffe. Ouais, c'est le premier event. On n'a jamais eu avant. Il y a une recette plus tard pour les fûts de maturation de l'alcool. J'imagine oui. Que ça, c'est pour l'Earth Crystal. On a fait une ferme à 7, c'est pas du tout le bordel. Vous avez bidouillé le jeu, là? Il y a un truc où tu peux bidouiller le jeu, et en fait... autoriser plus de connexions que prévu par le jeu, quoi. Et c'est le bordel, du coup. Du coup, je range les trucs. Les palourdes, je les vends. Le socorail, là, je le garde. On en a gardé une de palourdes dans la vie ou pas? Je sais pas. Vérifier. C'est vraiment ce coffre à Taylor. Ah bah non, je l'ai vendu apparemment. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle est pas partie dans un bundle sinon? Non, non, mais celle que je voulais garder, je l'ai vendue. Non. Comment je fais pour en mettre qu'une? Voilà. Pourquoi ça a pas marché tellement? T'as la mine? Ouais. Mais je m'en sors très mal parce que j'ai du mal vraiment avec. Tu veux que je prenne des trucs à bouffer si on en a? Ouais, mais je pense pas qu'on en ait. On a rien gardé? Bah, une carotte. On avait déjà en fait. Parce que là, avec les micro-lacs du Shadow, les slimes, ils oignons, me défoncent la gueule. J'ai un horse radish. J'ai un poireau. Tiens, je te les amène. Ah, mais voilà pourquoi. C'est-à-dire que moi, dans ma partie, j'ai une bague qui me fait de la lumière autour de moi. Oui. Voilà pourquoi je galère pas dans les. Barbarous dit qu'il y a des mods et il y en a un qui s'appelle Community Farm et ça rajoute 10 slots en multi et ça multiplie par 10 la taille de la ferme. Et du coup, ça va s'en marrer. Mais si un jour il veut qu'on fasse une grosse ferme ensemble, quand on aura fini celle-là, comment ça y a pas de fin? J'arrive avec un manger, t'es quel niveau? Niveau 5, bah reste là, je vais donner à manger. Ah non, mais t'as des trucs déjà? Bah, je mange juste et j'ai un réfort sauvage qui traîne, je le prends, mais ça m'a rien fait. Parce qu'en fait... Attends, t'es niveau 5 là? Pourquoi c'est pas noir, chaud? Ah si. Ok, c'est noir après. Comment je... Ah oui, ok. Ok, donc il est là le truc. Merci, je savais pas qu'il était là et du coup je t'ai vu... Si t'as besoin de manger, je peux te donner un truc encore. Hein. Tiens. Ouais. Prends ça déjà. Mmh.
Et après j'ai des oignons, j'ai piqué des oignons. Je fais ça parce que des fois on trouve des carottes. Il y a le passage qui est ouvert en haut. Cool. On rush? Ouais. Enfin moi oui, parce que de toute façon vu que j'ai pas énormément... Ah tiens, j'ai une carotte pour toi. Je la prendrai après. Vu que j'ai pas masse d'énergie, j'essaie de faire au plus... Je suis grave tenté de vous rejoindre, c'est ouf, j'ai passé 120 heures sur le jeu, mais non. Après, tu vas avoir trop de fermes différentes. Ouais, c'est ça. Tu veux la carotte? Ouais, je viens. T'en es où, toi? T'es à peu près au même niveau que moi, donc la prochaine, tu peux la manger. Bah après, j'ai les oignons, donc je peux t'en donner. Comment un tu changes de... De quoi? De barre? Ouais. Bonne question. J'ai jamais fait encore. J'avais oublié qu'on avait une deuxième barre. Échappe, je pense. Pour avoir les contrôles dans tes... Le truc avec la manette, là, t'as la liste des contrôles, du coup. C'est tout en bas. Accéder à la carte... emplacement d'inventaire, 1, 2, 3, 4, 5... Non, ça c'est, ouais. Non, ça c'est pour... switcher... Descends tout en bas. Y'a pas plus. Ah bah t'as... Tu dois avoir moyen, quand même. Peut-être que Barbarous le sait. Bah si tu veux, Kobe, tu peux nous rejoindre, c'est juste que en fait... Après, on va peut-être jouer des fois où vous serez pas dispo, quoi. De toute façon, c'est toi qui... c'est toi qui host, ça sera selon... toi qui joues, non? Bah il faut que moi je sois là, au minimum. Mais du coup, c'est soit toi, soit Barbe. Et je pense que Barbe veut pas, donc du coup... Pourquoi toi, si tu... Parce qu'il y a que 3 places, je crois. Non, il y a 4 places, hein. Non. Ah non, on a créé une ferme à 3, je crois. Bah non, mais je crois que de toute façon, tu peux faire que 3 max. Alors, pourquoi je fais ça? Je pense que c'est 4. Pourquoi je m'épuise à... 3 ou 4 maisons, je sais plus, je laisse volontiers ma place. Mais si tu veux, Kobe, tu peux venir, mais est-ce que t'as le jeu sur PC? On cherche la suite, là? Hop, je l'ai. Ah, merde. Oh, putain. Tu m'aurais dit une demi-seconde plus tôt. Mais là, je vais pas avoir d'énergie. Hein. Ouais, moi non plus. Mais en fait, il faut qu'on fasse ça un jour où il pleut. Parce que là, on dépense encore trop d'énergie en fait à faire la ferme et enfin, on est inutile quoi. Mais c'est pas mal parce qu'au moins on loot de la thune quoi, limite. Ok. Ah non, attends, je vais pas te l'offrir. Je vais la manger. non, j'accepte pas alors. Mange-le. Ne pas annuler l'échange et mange devant vous. Eh ouais. En multi, il y a une astuce. Tintintin. Bah, Bruce, les bons conseils. Un des joueurs peut aller dormir, son énergie se régénère. Comment ça il peut aller dormir? Ah, elle est là à la sortie. Ah. Attends, parce que je fais un espèce de déjà vu pour éviter les slimes parce que ils sont pas intéressants. Oh putain, je suis bloqué. Ah, mais il y avait une topaze à côté. Ouais, mais j'ai rien pris en fait, j'ai plus d'énergie donc je garde mon énergie pour chercher la sortie à l'étage inférieur. Ok, bah en fait, moi je prends le topaze pour la thune. Attends, il y a une astuce apparemment, oui. Le spa il peut encore débloquer. Apparemment... Ouais, si tu te recouches dans le jeu, tu gagnes de l'énergie. Attention, t'as un slime qui t'attaque. Ah merde, moi je lis le chat. Attends. Ah yes! Excellent. Excellent. Attends, bah, on prend le truc. Toi aussi tu les as vu ou c'est comme moi du non, coup? Non, non, c'est universel. C'est universel, carrément. Et du coup, il faut les équiper. Et moi, je peux pas, j'ai les sneakers. Les sneakers? Regarde si c'est mieux ou pas, quoi. C'est mieux que les sneakers, parce que t'as un immunité contre je sais pas quoi. T'es descendu ou t'es remonté? Tu es remonté? Ouais. Alors, en multi, il y a une astuce. Un des joueurs peut aller dormir, son énergie se régénère. Il suffit d'annuler le sommeil et que l'autre joueur ne se couche pas. Si tu te recouches dans le jeu, tu regagnes de l'énergie, mais le jour ne passe pas. Ah, intéressant. Pour que le jour passe, il faut que tous les joueurs soient couchés comme dans Minecraft, ouais. Mmh.
Ça, on avait compris. Donc, ça veut dire qu'après... Je savais pas, mais en fait, à partir du moment où t'es couché, si tu annules, du coup, t'as ton énergie, quoi. Ça veut dire que, du coup, je pourrais faire la ferme le matin et me coucher, revenir et te rejoindre à la mine, typiquement. Ça peut être un truc comme ça, oui. J'ai assez de temps... Hop, pour faire ça... Ah bah, j'en ai aussi. Je vais déposer le loot. Ouais, moi aussi. Tiens, je peux pas pendant que tu le fais. Je garde la géode. T'en as une de géode ou pas? J'en ai pas. Ok, donc je la garde et c'est moi qui irai au forgeron. À qui? À Clint. Il va falloir faire un autre coffre. On va se coucher? Ouais. Alors du coup, vas-y, annule, pour voir. Non, ça va pas marcher. Peut-être qu'il faut plus de temps. Voyons. Ah merde, c'est couché en même temps. On testera. Ah, et tant que tu dors, ton énergie monte, en fait, c'est ça. C'est... Donc c'est comme le spa, en fait. Ouais. Mais c'est beaucoup plus rapide que le spa. Alors que le spa, je trouve que c'est déjà très rapide. Les esprits sont de bonne humeur pour moi. Et bulletin météo. Demain, partiellement le jeu, mais plus toujours pas. Tu vas t'occuper de la géode et du truc, et pour une fois, c'est moi qui fais la ferme. Allez, la géode et du truc, qu'est-ce que t'entends par le truc? Non, parce que ça va être le festival des œufs. Bon, on va s'occuper de la ferme tous les deux. Donc du coup... Et que je crois que dès que tu rentres dans la ville à 9h du matin, ouais, ça déclenche le truc, donc il faut mieux qu'on fasse la ferme à deux et que... Par contre, ouais, il faudra racheter des graines parce que je crois qu'on en a plus. T'as récupéré les graines de la récompense du community? Non. Est-ce qu'on se garderait pas une paire de panais? Non, je pense qu'il vaut mieux vendre et se faire de la thune. Je sais pas ce que je veux faire. Ça sert à quoi d'avoir un puits? À avoir un point d'eau pour remplir ton arrosoir. Ah ouais, c'est genre quand ça commence à être étendu vers là-bas, quoi. Ouais. Mais j'en vois pas trop l'intérêt dans le sens où quand tu commences à vraiment t'étendre ta ferme, en général, tu mets des arroseurs automatiques. Mmh. Donc en fait, t'en as pas trop besoin, quoi. C'est vraiment une des constructions que j'ai jamais faite. Peut-être à tort, hein. Peut-être qu'un jour j'en ferai juste parce que c'est joli un puits. Hein. Il y a des gens qui finissent par faire des constructions juste parce que c'est joli. Mais... Ouais, mais en fait, je sais pas si Barberousse ou Cowboy connaissent, mais vraiment il y a un site qui te permet de planifier en gros. Ouais. C'est un site ou c'est une app? Pour moi, je veux que c'était un site. Et ça m'intéresse là parce que je commence à faire un peu à m'étendre quoi donc. Du coup on va martyriser les gamins à la chose aux œufs. De quoi? Non ouais, vraiment il y a des gens qui font ça pour planifier. Moi c'est plus pour arriver à tout avoir de manière ordonnée. Faut peut-être que j'y aille moi, du coup. Tu veux essayer d'y aller toi? Bah j'y vais, je vais voir ce que ça me dit. Je crois que c'était entre 9 et 14 heures. Ah non, tu vois, ouais. J'attends. Bah, je vais voir vite fait s'il y a un truc. Ouais, mais vu que je joue sur Switch, j'ai pas de mode. Là, ma ferme principale est sur Switch. T'as vu? Regarde. On est transparent. Oh, des... J'ai jamais... Bon, du coup, c'est l'occasion de dire bonjour à tout le monde. Et des graines de fraises. On en prend? Oui. Mais... Au printemps? Bah, parfait. On est à moitié moins, on peut en faire. On est au printemps, là? Ouais. Mais en fait, il en vend aussi, machin. Non. Ah, ok. Bah, j'en achète... Ok, je te laisse gérer. 10. Attends, non, je drag Shane. 7. Parce que là, on a plus de thunes, en fait. Je me suis chauffé. Ça
qu'on a envie de manger des œufs. Mais on a des œufs encore. Barbarous qui grille les étapes. Il dit, t'en prends 8, comme ça tu les mets autour d'un sprinkler, mais on n'a pas de sprinkler. Alors, on a même pas le sprinkler basique qui te fait du 4. Je sais pas si on peut les crafter. Ah, non. On l'a pas. On va y arriver. Il dit, je planifie. Planifie. Un œuf, quelque chose d'étrange à manger. J'en profite pour dire bonjour à tout le monde. Ouais, moi je suis. Alors j'ai vraiment été très nul moi sur la Switch. J'en profitais pour aller fouiller les poubelles. Tu peux pas. Mais en fait tu peux te barrer vachement loin, j'avais pas vu que tu pouvais aller tout là-bas. Ouais mais ça va être bloqué. Ouais mais y'a personne. Ah là c'est bloqué. Par contre je crois que c'est toi qui dois démarrer les vannes, c'est ça? J'imagine, ouais. Mais faut parler à... Willy. Non pas Willy, à Lewis. Homer. Là c'est bloqué aussi, là aussi. Ah mais c'est toi, je suis con, j'essaie de lui parler. Quelle heure il est parce que... 18h50. Magnifique. T'as quelque chose à faire? Non mais j'ai envie de regarder le match Nantes contre Nîmes. On va probablement faire du Minecraft. Ouais. Mais bon, on prend une pause entre les deux. Mais c'est à quelle heure que tu le fais? Je sais pas. Comme les autres soirs, je pense, 20h, 21h. Ouais, peut-être pas aussi tard. Si c'est 18h50, c'est la lumière. Ouais. On y va? Allez. Oh non. Le chien a cru que c'était à lui, je disais ça. Le pauvre. Ah, parce qu'il faut que je m'occupe de lui aussi. Tout à l'heure, peut-être. Et voici le moment que vous attendiez tous aujourd'hui, la chasse aux œufs annuelle. Alors, je pense que du coup, on a les mêmes œufs. Ou alors tout on monde a une compétition. Tout le monde. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Ah, le compteur. Ouais, on va voir. Écoute, je te propose que je... pars à droite. Je pars à gauche, du coup. Oui, pars à droite. Mais en tout cas, ça attend que t'aies fini, toi aussi. Ah, ok, je pensais que ça se déroulait... Speedrun. Canine, sors. Tu me déconcentres. Casse-toi, Marou. Là, c'est pas un œuf, ça? Si, j'en ai chopé un. Là, il y en a un aussi. Ok, c'est pas commun, alors. Non, c'est pas commun. Ah ouais, c'est pas banal. C'est pas commun, ça. T'avais gagné, toi? Oui, chaque année je gagne. Ah, elle est trop forte. Là, il y en a un aussi. Merde, c'est bloqué ici. J'avais pas capté. Dégage. Peut-être qu'il y en a dans les poubelles. Yeah. Là, il y en a là. Je peux pas passer, je peux pas passer. Si seulement on marchait plus vite aussi. Ah, je m'en fous. Putain, je dois y aller. Tu dis le dernier, Non, yes. J'ai pas réussi à l'avoir. Battez ces mioches à la con. Eh oui. Il y a une route pour tous les avoir. Attrapez-les tous. Qui a gagné? Moi j'en ai chopé pas mal quand même. Hein. Ah, c'est toi. Mais comment t'as pu gagner? À un moment donné, j'en avais deux de plus que toi. Ah oui, mais attends. Je viens de pas l'année avec mon chapeau de paille, là. Mais t'en as chopé combien? Parce que moi, j'en ai chopé 7 ou 8. Et bah, je crois que j'en ai 9. 8 ou 9. Putain. Parce qu'en fait, si tu fais le tour de la maison de pierre, tu peux en choper 2 d'un coup. Mais en fait, le chemin, le détour est long, en fait. Quelle arrivée. Bon, on a le temps de... est-ce que t'as un arrosoir sur toi? Oui. Tu peux m'arroser des trucs vite fait que je plante les fraises? Comme ça leur fera un jour de plus. Non mais tu peux les planter, j'arrose après. Vas-y. Non, je veux pas t'offrir des graines de fraises. Pourquoi je peux pas... On voit rien. Mais si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui c'est bon. Attends. Hyper important. Qu'est-ce que t'as fait?
Vas-y, je regarde. Effectivement, l'énergie remonte, regarde. Moi, j'ai un petit chapeau. Moi, je veux le replay sur la chaîne de Quiche. Qui n'existe pas. On pourra, hein. Je peux même t'installer OBS sur ce truc-là et tout. Et du coup, tu pourrais streamer en même temps. Avec ta webcam et ton fond vert, parce que il y a le fond vert. Je suis pas sûr, c'est pas mon fond vert. C'est ton fond vert. Oui, mais du coup, t'aurais le fond vert. Je suis pas sûr que les gens soient prêts à voir ma gueule. En gros plein. En continu. Moi, je dis que ça peut se faire. Vous vous rendez pas compte, mais c'est beaucoup d'anti-cernes. On fait une dernière journée et après on arrête. Ouais. De toute façon, ça fait combien de temps qu'on stream déjà une heure? Hey, salut Alors. Elle donne de l'aime à Gertrude. Il n'y a pas de Gertrude. La reine des sauces. Ça fait, oui, ça fait un peu plus d'une heure. Salade de choux. Bah, c'est marqué en haut là, 1h07. Je vais à la mine. Oui, visage de bonne aventure. Moi, elle me dit que c'est de bonne humeur. Bulletin météo, demain il fera beau, putain, mais vas-y, mais faut que je danse autour d'un lac avec des ailes de poulet, là, pour invoquer la pluie. J'aurai un petit supplément de chance. Moi, je vais, du coup, racheter des graines. j'ai toujours pas trouvé comment virer le Streamlabs aussi, et du coup, quand tu fais uptime, t'as les deux qui répondent. Ah, yes. Ah mais du coup c'est vrai que je peux faire ça aussi. Et je peux faire comme ça. Du coup j'ai une question pour Aldra. J'ai vu qu'ils sortent pas mal de Final Fantasy sur Switch qui me donne envie d'y rejouer même si j'ai fait 50 fois le 9 et que je l'ai acheté sur 50 plateformes donc c'était pas raisonnable. Mais par contre, j'ai vu qu'ils allaient sortir sur Switch Final Fantasy XII, auquel j'ai jamais joué. Est-ce que c'est un... Enfin, je sais que c'est subjectif, mais est-ce que c'est un bon Final Fantasy ou pas? Est-ce que ça vaut le coup d'y jouer sur Switch? Ou il est largement oubliable? Je vais acheter des graines de panais, du coup. Et oui, Aldra, il faut aller sur le site de Streamlabs, mais j'y étais en fait, je trouve nulle part dans les menus où est-ce que tu le désactives. Je suis con, hein, je suis descendu dans la mine comme un connard sans descendre plus bas. Ouais. Mais je te hausse déjà, ah, mais c'est pour ça. J'ai très peu joué au 12 après de mémoire, ça ressemble à 13 un système de combat. Ouais, j'aime peu jouer au 13. C'est vrai que je continue. Quoi. Mais en fait, disons que je verrai le prix auquel ils le vendent sur le shop Nintendo. Parce que je t'avouerai que je crois que Final Fantasy IX, ils le vendent à au moins 20 balles. Et j'ai un peu la flemme. Pourtant, il y a vraiment beaucoup de monde qui l'ont acheté. J'ai vu passer sur Twitter plein de gens dire il faut vraiment l'acheter, il est trop cool. Ouais, mais je l'ai déjà deux fois sur sur Play parce qu'en fait j'avais le Platinum et après j'ai retrouvé l'édition originale avec les CD jolis avec les dessins. Enfin, j'ai déjà une partie sur ma Play. Je l'ai acheté sur le. En fait, c'est ça qui est con parce que je crois que je l'ai sur le PS Store mais que du coup c'est la version PS Vita. Et du coup, ça me laisse pas l'avoir sur PS4, enfin, c'est pas... Putain, moi qui disais, non, mais on n'en trouve jamais des carottes et tout, je viens de taper, j'ai eu deux carottes. Oh, j'ai trouvé un parchemin des nains. Ah yes, ça, il faut absolument le donner à Gunther. Et une géode omni. Trop bien. Et sinon, merci Barbaros pour le pro-tip, il nous dit que en fait, l'été... il faut planter du houblon parce que le houblon est hyper efficace pour regagner de la vie dans la mine. Ah, pas mal. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu le jour où je pouvais faire du houblon dans Stardew Valley, j'ai pensé bière. Ouais, de toute façon, j'avais un copain qui m'avait beaucoup dit de le faire. Yeah.
Je suis un sac à merde. Oui, non, mais ça aussi c'est de la... Non mais ça j'arrive à bien le gérer d'habitude, mais là pas du tout. En fait c'est simple, il faut faire des allers-retours. Oh, un diamant. Il m'a loot un diamant. Putain, le parchemin rouge, c'est le seul qui me manque sur ma partie sur Switch. Je suis dégoûté. Oui, vie et énergie, oui. Le diamant, est-ce qu'on le donne à Gunther ou est-ce qu'on le garde parce que ça va être relativement rare? Non, c'est pas rare, le diamant. Ah ouais? Est-ce qu'on en a pas, ça? Je vais crever comme une merde juste à cause de ma vie, là. Manger une carotte. En fait, quand on va tôt à la mine, ça va. Et qu'on a un double sac. En fait, je pensais que c'était 10 000, on était con de ne pas vérifier avant. Ouais, mais comme ça, c'est fait. J'ai récupéré les graines au Community Center. Moi, j'ai eu un mélange de graines comme Yannicka. T'as la Dra qui te parle de Streamlabs. Paramètres, connexion, tu désactives l'extension Streamlabs. Dans Twitch ou dans Streamlabs ou dans Twitch. Et du coup c'est l'extension Streamlabs qui rajoute le bot Streamlabs, c'est pour ça que je le retrouve nulle part dans Streamlabs ce bot. Mais parce qu'en fait je suis quasiment sûr à un moment donné d'avoir trouvé un truc dans Streamlabs où tu pouvais cocher, décocher les alertes, les trucs que le par rapport au chatbot. Et en fait, je retrouve plus cette page nulle part. Donc, ça me merde. Faut que je fasse gaffe à ma vie parce qu'elle est derrière le micro, donc on voit pas bien. Après. Vu qu'il est 14h, je pense que je peux pas mal manger parce qu'à mon avis, je vais rester longtemps encore dans la mine. Tu sais que la première fois sur ma partie sur Switch, j'ai pas récupéré le charbon là-dedans. Parce que j'avais pas compris en fait qu'on pouvait le récupérer. Je trouve que c'est pas forcément très intuitif que tu peux le récupérer. Mais moi en fait, c'est parce que je pensais que si j'allais regarder les chariots, ça m'activerait les chariots. Alors que pas du tout. Mais j'étais content pour le charbon, mais j'étais assez déçu parce que je pensais que ça serait comme ça que j'allais activer les chariots. Les sacs au sol, j'ai jamais vu de sac au sol. Si, t'as des sacs à dos au sol et pareil, ça te glue du charbon. Ah, dis donc! J'ai fini, oui. Voilà, et donc ce que j'ai pas encore rajouté, mais ça c'est parce que je m'en suis pas occupé aussi, c'est dans le bot un truc qui fait des annonces automatiquement pour dire genre tu sais toutes les 5 minutes dire, enfin pas toutes les 5 minutes parce que c'est lourd, mais toutes les 20 minutes ou un truc comme ça de donner des URL vers Twitter, YouTube, des trucs comme ça. C'est comme les streamers professionnels. Et puis il faut que je poste les replays sur la chaîne YouTube aussi. Tu sais, ceux que j'ai tous téléchargés, du coup j'ai rempli le disque dur et je l'ai toujours pas fait. Non, justement, je parle pas des alertes sur l'écran. Je parle du chatbot. Il y avait un endroit où en fait tu pouvais même régler les commandes, les trucs et tout. Et ça, je le faisais directement depuis Streamlabs OBS. Je me souviens très bien l'avoir fait. Et je ne sais plus du tout dans quel menu. Impossible de le retrouver, je cherche partout depuis quelques jours et je ne le trouve pas. Et du coup c'est con parce que je voudrais le désactiver pour passer sur Wisebot. Pour des raisons de ça fait plus de trucs, même si je trouve que c'est une usine à gaz. Ouais, maintenant il y a CloudBot, mais en fait, quand je vais dessus... Ah mais non, mais je l'avais... Attends. Je clique dessus en direct. Je l'avais pas cet onglet il y a quelques jours.
Et ben voilà, je l'ai désactivé, c'est bon. cet onglet n'apparaissait pas de l'autre jour. L'autre jour, j'avais que tableau de bord, App Store, thème, éditeur et direct. Et c'était cet onglet que je cherchais. Et je me disais, mais je comprends pas. Avant, j'avais un endroit qui parlait que du chat et du chatbot et tu pouvais tout désactiver et tout. Et du coup, je m'énervais tout seul en me disant, mais c'est fou, où est passé ce truc-là? Est-ce que je suis devenu fou? J'allais dans tous les paramètres, tous les trucs et je trouvais rien. J'allais dans le tableau de bord et je cherchais dans tous les paramètres Streamlabs, mais. En échange, tu me prends stage de moi. Dans deux mois. Mais je peux pas prendre de stagiaire dans ma société. Mais bon, il y a des gens qui se prénomment par des noms qui commencent par Phil et qui se terminent par Good, qui sont dans des sociétés d'informatique, qui font du développement web, et qui peut-être seraient intéressés. Selon tes compétences, par un stagiaire. Ça s'est déjà fait. J'ai une question pour Barbarousse, s'il est encore là. Ah tiens, j'étais jusqu'au niveau 15, j'ai même pas fait exprès. Ah, c'est cool. Est-ce que le... Oh non. Ah, je suis déconnecté. Il n'y a plus de batterie. Donc, du coup, je vais pouvoir brancher. Je vais... Merci. Alors que je suis clairement le MVP de ce jeu. Il t'a pas déconnecté, hein. Non, tu vas mourir, toi. Effectivement, je vais mourir. Belle esquive. Du coup, je peux poser ma question sereinement. Si Barbarou, c'est encore là, ou si quelqu'un d'autre peut me répondre sur le chat. Est-ce que la chanson, donc qu'on voit tous les matins sur la télé, et qui du coup influence fortement la mine, influence aussi ce qu'on peut trouver à la pêche? Peut-être que ça influence ta chance des trésors à la pêche. Je sais, en fait, je sais pas si ça influence en fait ce que tu trouves à la pêche, ce que tu trouves pas. Est-ce que ça, en fait, en gros, est-ce que tu tombes que sur de la ça merde tout, enfin, oui. Parce que c'est ok, donc ça influence ça aussi. C'est une stat log globale. Ouais, j'ai cru voir des algos tourner sur. Ah mais j'allais dire on s'arrête le temps de te brancher, mais en fait si on avait dit qu'on arrêtait aujourd'hui donc. Ouais, j'espère juste que ça va te bloquer et que ça au moins conserver ce que je faisais. Pêche, récolte, mine, etc. Ok, donc j'imagine. Oh, putain, j'ai mangé le truc au lieu de me coucher, de rentrer. Non, il pense que t'es là. Bah ouais, bah. On aura perdu une journée. Mais non. Bah si. Pourquoi? Parce que tu vas pas pouvoir finir la journée seul, regarde. Attends, mais si, regarde. Je vais faire comme ça. Ah mais non, le Shadow marche plus sur ce PC, putain, il me casse les couilles. Bah non, parce qu'en fait, tant que je suis couché, je regagne de la vie, donc du coup... Est-ce que le temps passe? J'ai l'impression que le temps continue à tourner. Ah, ça rend mal. Je te laisse le brancher. Yes. Ah mais est-ce que je vais pouvoir redémarrer Oui, ça va redémarrer très vite. Non mais là, ah oui, t'es sur le Shadow donc. Hein. C'est que la... Ah mais oui, le Shadow est pas kill. Le Shadow a pas kill, c'est pour ça qu'il reste dans la partie. Après la question c'est est-ce qu'on va réussir aussi vite quoi. Sinon on va juste tomber dans les pommes tous les deux. Je suis où moi déjà? T'as de la chance d'avoir plus de tout. Attends, je vais me connecter. Est-ce que j'ai bien tapé mon mot de passe? Pas du tout. Ah non, ça va être chiant. Parce qu'il va redemander le mot de passe. Parce qu'il le retient pas, parce que c'est un connard. Mais du coup, je peux l'avoir sur Bitwarden même. Non, non, je l'ai. Moi aussi, j'ai Bitwarden. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va prendre plus de temps. Là, tu vois, on a perdu 30 secondes. Ça fait un... Vite! T'es en train de pêcher, vite! T'es dans la maison? Non, j'étais au lac. Il te reste une heure. Je pense que ça va le faire. Gonna give tonight. Je pense qu'on va sauver la partie.
Moi j'y crois. Bon, il te reste, ça va, t'es à 30 mètres de la maison. Effectivement, regarde mon énergie, elle est à fond. Super. Incroyable. Niveau 4 agriculture, je peux faire des confitures. Parce que j'ai le bocal. Ah oui, donc c'est 4, c'est pas 6. Voilà, donc Barbarous sera content, je peux faire des confitures. Incroyable. Eh oui, et ben moi j'ai juste gagné ça. C'est... Quand je vous le dis que je suis MVP de cette partie, je suis le MVP de cette partie. Le MVP agriculture, tu les as tous vendus les choux-fleurs parce qu'ils nous en font un pour le community. J'ai mis dans le community bundle. Tu es incroyable, MVP de la partie. Franchement, la récupération du PC à une heure de la fin. Yes, et ben c'est, on est à mi-printemps. C'est pas mal, hein. Voilà. J'ai l'impression qu'on fait une semaine à chaque live. Quoi, ouais, c'est ça. Pas. Je quitte du coup. Ouais. Retour vers le menu principal. Le serveur a fermé la connexion. Ouais, puis c'est sympa. Du coup, tu peux l'éteindre si tu veux. Éteindre Shadow aussi. Tu vas. Non, du coup, fais démarrer, arrêter. Je veux pas l'utiliser le Shadow, ils déconnent sur le PC et ils veulent pas me croire qu'ils déconnent sur le PC. Je leur dis ils déconnent, puis ils font mais mettez à jour vos drivers. Je fais non mais en fait ça marchait très bien et tout d'un coup ça a planté et ça marche plus depuis. Donc du coup c'est forcément de votre côté quoi. Il est bénir. Ils font non mais ça marchait bien. Et pour ceux, du coup ce soir c'est toi Minecraft et moi Handball. Donc s'il y a des gens qui aiment le Handball, sachez que ce soir c'est Nantes contre Nîmes. Ça va être trop bien. En fait, là, on nous voit mieux. Est-ce que les gens ont envie de nous voir aussi? Mais c'est comme ça qu'on aurait dû jouer, en fait, depuis le début. Ah oui, mais non. Parce que si je fais ça, bon, déjà, moi, on voit plus mon visage. Donc, il faut encore que je déplace ça. Et toi, en fait, quand tu joues, t'es comme ça. Donc, du coup, on ne voit pas plus. Ouais. J'ai pas plus de... Bah, écoutez, merci d'être passé. On va sûrement faire du... Alors, attendez, je regarde la conversation. Moi j'en suis, ouais machin. Donc du coup oui, on va faire du Minecraft ce soir. Ah bah tiens, regarde, j'ai les trucs de qui sont apparus. Je vais pouvoir faire. Merci pour Kir Nico qui a follow entre temps avant. Et du coup oui, Minecraft tout à l'heure. Je sais pas à quelle heure, probablement vers 20h30, 21h. Je préviendrai sur Twitter. Des bisous. Bonne soirée. Et merci d'être passé. Ça m'a fait très plaisir qu'on discute tous ensemble et qu'on fasse un live avec Kish. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. À tout à l'heure peut-être. Là ils nous entendent encore, mais il y a marqué fin du live. Ah t'as ouais. Vu, elle est vachement belle l'image. Ah, je te montre. On a l'impression qu'elle est fixe, et en fait pas du tout. Il y a des petits trucs qui bougent. Ouais. J'ai trouvé ça sur des stock images sur internet. Gratuit. Ouais. C'était rigolo. Bisous. Ah, c'est la fin du live. T'as vu, ça marche bien, du coup les gens comprennent que c'est la fin du live quand il y a marqué fin du live. Désolé Cobaye, on jouera la prochaine fois ensemble. Bisous. Bisous. Mais si vous nous entendez, arrêtez de faire genre.